Bonjour, adiciats en tutos et en tutes. Benvenguts à l'Universitat Occitana d'Estiu, organisada per la Marpoc et l'IO de Gard, en partenariat avec le CIRDOC, Institut Occitan de Culture. Radio Languedoc vous prépare aux arts de segre en direct view la programmation de las conférences et taules redondes d'aquelles 44e édition de l'Universitat Occitana d'Estiu de 2020. Adicias, après Pino Picciotto Prangiero, Nianan tourna à Prene, per aqueste tantos de Dijaus, nou de Jules, à une conférence de trio, per de que vei la tema, est le numérique, est occitan demain, segui le numérique et quelque chose, et donc, qu'est Benazet d'Azeas, le directeur du Congrès permanent de la langue, qui nous va faire. Justement, une conférence. Pouvez-vous suivre la conférence sur les pagines FB de la Marpoc, del CIRDOC, de Radio Languedoc et demander vos commentaires ou savez de demandes et nous, à qui vous pourriez justement y répondre. Benazet, c'est à toi. Merci, Adichat. Donc, je suis Benazet d'Azeas, directeur du Congrès permanent de la langue occitane. Primer que volia remerciar la Marpoc de s'haver invitat a la carrenavera edició de l'Universitat Occitana d'Estiu. E donc m'han demandat de haver intervençut, a presentar i fer-ho largo so que hi ha el congrès e també el chantier, el treball que havem en curs. Donc que vau ensenyar de haver un exercici de vulgarització per mon que quand parlons de numérique et de langue, donc de technologie et de langage qui peut être vist et calculé de her s'aventas. Donc, il va essayer d'être large, il va essayer de vulgariser, mais par cas, si vous voulez aller plus loin, vous savez que les choses plus précises, ou c'est plus précis, c'est ça. Du coup, je pense qu'il est prévu après un moment d'échange où on pourra plus détailler. Donc, tu as commencé la présentation du congrès, qui avait prévu de passer un diaporama à. T'as illustré dans l'intervention, c'est nous qui peut être triste. La présentation du Congrès permanent de la langue occitane, qui est donc un organisme interrégional de régulation de l'Occitan. Donc le Congrès est en fait une institution qui est plus récente, pour nous, qui est battue en 2008. Qui s'appelait à l'époque l'APORLOC, Association des préfigurations, de l'organisme de régulation de la langue d'oc, à quelle association qui est tout créée par un lieu dynamique portée par les fédérations historiques, les citanos, les institutions et les collectivités, et les universités, qui ont voulu porter un projet de ce qu'on appelle si un organisme de régulation de la langue, si une académie de la langue. En seguida, donc, alla fine delle attività del Consiglio della Lingua Occitana, che d'incadaro e gerivo la questione delle norme della lingua occitana. Dunque, hanno creato la PORLOC, e la PORLOC, come ha detto il nome, prefigurazione, che ha prefigurato la creazione di ciò che va dire il Congresso permanente della lingua occitana, creato ufficialmente nel 2011 allo Stato di Reggio, a Bordeaux. E che donc ha dato 8 anni d'attività. Donc, il Congrès Camas, le federazioni storiche, va fatto l'Italia, che ha sul sito del Congrès, che ha svegliato tutti, ma che ha l'Istituto di Studio Città, che ha la Confederazione della Scalandretto, che ha anche la FELCO, che ha l'INOC, il CIRDOC, l'Istituto Città di Cultura, dar, il Centro Aprene, a tavolo Camas, che fa sul largo tutti gli actus. A livello federale o a tutti i livelli istituzionali, e che è sostenuto per le collettività, per me la Regius, via l'Oplo, quindi la Bella Aquitania e Occitania, e anche certi dipartimenti come Garuno Auto, Pirineo Atlantico, Dordogne, TAR, che sostengono il congresso. Quindi a tal che c'è una démarche collettiva portata per tutti e per le collettività. Le congrès, une particularité du congrès qui est le bicamérisme, qui a même 10 conseils assez sous, qui a un conseil linguistique, donc qui est
l'organe scientifique du Congrès qui amasse une cinquantaine de linguistes et qui est présidé par Patrick Sauzet. Et une de la particularité du Congrès, qui est quand même un conseil des usagers. Les usagers qui représentent l'us actus de la langue, dans les mines de l'enseignement, par exemple, de la presse, de la littérature, tous ceux qui utilisent et diffusent la langue, pour dire. Et au Congrès, qui pensons que la régulation de la langue, la question de la régulation de la production des outils linguistiques et la production commune de la langue, qu'a de ces bastilles inter aquestes deux pôles, le pôle scientifique et le pôle des actus, donc qui sont associés au conseil linguistique. L'asbissus du Congrès, mais qui n'y a tres, la première, bon, qui est la régulation linguistique, donc un terme d'un spécialiste t'a dit que la question de la norme de la langue, ce qu'est l'occitan, qui s'écrit l'occitan, la norme graphique, orthographique, la norme est en termes de toponymie, la forme toponymique, tout le travail qui est eu à l'académie. La deuxième mission, qui est la production d'outils linguistiques de référence, eh bien, qui sont outils qui permettent de diffuser avec la norme et qui se retrouvent, par exemple, dans les dictionnaires, sur les lexiques, les modèles de conjugaison et tout outils qui de normalisation de l'académie. Et enfin, donc, la recherche scientifique appliquée qui est donc dédiée à les deux premières missions. Le Congrès qui a établi le principe d'action, okay, qui est pensé, le premier est la représentativité. Le Congrès qui a été représentatif de tout l'espace IDOC et de tous les actus et de tout ce qui est la langue occitane, ici encore Bitec présente. L'UDUSAO, qui est l'estabilité, le Congrès qui cobre et qui travaille à produire causes de l'estabilité de la langue, on n'est pas acquis à révolutionner ou changer causes qui fonctionnent en replat, qui pensons que dans une société prégulamment marquée par la diglossie, qui causera causes sérieuses, mais aussi simples et acceptables pour un public. Très au principe, la coopération. Le Congrès n'est pas une structure, mais d'abord, c'est une structure qui travaille d'abord sous sources, en partenariat et en coopération. La collégialité de la décision, bon, à quoi qui est normal, l'idée est que tout le monde qui prend la décision qui sont prises à masse et tout le monde qui sont solidaires des intérêts de la décision qui sont prises. La diffusion d'informations, qui est quelque chose qui peut être logique, qui dit qu'une cop la décision prise, une cop la scout des haters, que la scout diffuse et à connaître au grand public. Et enfin, le partenariat, le Congrès, qui travaille en partenariat de tous les acteurs, institutions ou agences qui perturbent à tout bas d'appelons de main d'action. Le Congrès a deux sédences, qui pourrait passer l'autre diapo, deux sédences, une sédence en Abel Aquitaine, donc à Billière, au Castel d'Est, qui est la première photo qui vedette, qui est le Castel d'Est à Billière, à Bras de Pau. On partage les bureaux de le CIRDOC, Institut Occitan de Culture, et une autre sédence à la région Occitane, à l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Telle équipe du Congrès, donc, qui a 7 personnes, donc qui a un directeur, votre serviteur, une développeur TAL, donc TAL qui est traitement automatique de la langue, deux lexicographes, deux encargas des missions linguistiques et une secrétaire comptable, donc 7 personnes. En termes de soutien des partenaires, bon, qui parlent de la collectivité, donc qui soutiennent financièrement, mais c'est aussi qui s'aident à mettre un dispositif qui s'appelle des droits communs, sur les crédits de formation, sur les fonds de coopération transfrontalière, les collectivités qui aident aussi le Congrès. Tabé les socios qui participent tabé qui parlent plus tard des coopérations, les socios qui sont actifs dans le Congrès et qui participent au sous tribais. Quand même tabé bénévoles, peut-être qu'il y a beaucoup de surprises dans le Congrès, dans nous qui
quand même régulièrement personnes qui proposent à tau, vous qui avez un dictionnaire, vous qui voulez pas travailler à la côte, qui m'agrade le congrès, qui m'agrade ce qui est, et qui voulez m'aider. Donc, quand même, t'avais heureux des bénévoles et permettre à commencer l'usage du conseil linguistique qui s'aide dans notre travail. Et enfin, quand même, t'avais prestataires techniques d'après qui travaillent, mais qui m'a tau mai ne numérique, je pense que la thématique de la du dia. Qui demandent compétences et savoir-faire spécifiques. Alors, le congrès, qui connaissait, qui n'est pas représenté à Copa, le monde ne savait pas, parce que c'est le monde c'est qui connaît le congrès, qui est en autre cas, qui est le site internet, qui est le congrès plus nord, si vous pouvez m'acheter là, des diapos, le congrès plus nord, donc, qui est une plateforme linguistique, qui est quand même en ligne en 2012. Le congrès, qui est tout créé en 2011, et une COP créate qui a même décidé, qui a décidé à quel moment, qu'il faut à toute force produire et bister outils linguistiques qui sont utilisés et utiles au public. Et je ne sais pas si c'est bien basse à quel moment, mais à quel moment il n'y avait pas de dictionnaire ou de cita en ligne. Il y avait eu, qui avait rien de fantasie, on dit, mais il n'y avait pas de dictionnaire ou de cita en ligne, ce qui est estonnant. À quel moment où toutes les langues avaient quasi un dictionnaire en ligne et nous avons nous. Donc, il y a en ligne déjà eu le premier berceau de la plateforme le Congrès plus nord, d'abord le premier berceau du Dicodoc, qui parle italien après, mais c'est le terme, qui est une base terminologique, qui a dit que c'est sur le lexique spécialisé, et souvent à la demande des collectivités, par exemple, le conseil départemental du Spéro Atlantique qui demande une lexique spécifique à la petite enfance pour nous qui vont ouvrir une linoire en Biarnès, donc un lexique. Donc, à quoi qu'il travaille, mais qui m'a fait pour à l'époque l'INOC Aquitaine. L'espresso, qui est une base d'espresso illustrée, d'une photo, son, qui se retrouve à la page d'Arcois du Congrès, qui a même succès à quoi le monde qui. Que cosa grande era aquest utilis qui permet a tau a les caduts d'entendre les expressions, les faïssons, les dises, les causes imaginées. També le FUNOC, qui sont les modèles de prononciation de l'occità. Donc tout stem dans l'esprit d'arrostir l'unité de la langue et de respecter la sua diversité. Qui est un principe mai du Congrès à côté de. Le Congrès qui travaille à la cour, à arrostir ce qui est l'unité de la langue et à respecter ce qui est la sua diversité. Et le FUNOC, qui est un exemple de la cour, et quand tu recherches que tu as dit, tu as dit qui se prononce ton phonème, par exemple, qui est un que quand il y a une spécificité, tu as une limousine, tu as un provençal, qui est un but, quand il n'y a pas de spécificité, il n'y a pas de forme qui est valorée. Tu as le verboc. Qui est l'application présente sur le site du Congrès plus nord, le Verboc, qui est tout simplement une application de conjugaison automatique en Occita, et le Tupoc, qui est une application qui permet de trouver les formes occitanes des toponymes occitaniens. En fait, le Dicodoc, qui va m'entrer, pour moi, le Dicodoc, qui est l'application MAI, du site, qui est la meilleure utilisée, la meilleure employée. Donc, on va dire tout à l'heure qu'il y a eu en 2012 la première édition, des caps qui n'avaient pas que 7 dictionnaires, ça me semble, qui étaient en ligne. À dar petit à petit, merci à l'augmentation de la base. Et qu'il y a 16 dictionnaires, 10 dictionnaires français d'Occità, 6 dictionnaires d'Occità français, un dictionnaire monolingue d'Occità et 3 dictionnaires historiques, tous qui sont dictionnaires qui ont été sur papier, réutilisés, reconnus à COPS, par exemple, le dictionnaire de l'Austra Lingua Russia, le dictionnaire de Pernoust Taugascu, qui disait à COPS, qui a aussi la tabelle. Nous avons eu des discours qui se sont associés au Congrès qui ont permis de faire à disposition du public à merci à une outil moderne et de permettre l'accès au grand public.
quatre sections en tout, donc 16 dictionnaires en quatre sections, Occità de cap au français, français de cap à l'Occità, une monolingue Occità, et també ce que appelons le dictionnaire historique, où on va retrouver en graphie aux 12 autos, par exemple le trésor du Philippe Brige, ou le dictionnaire du Béarnais et du Gascon moderne de Palais, le Lespi, et petit à petit, qui sera le section qui sera ornido. Tasso du site, c'est prenem les statistiques. Par nous qui a demandé, si vous voulez, bâcher là. Le site du Congrès, c'est un tableau de statistiques qui est en crèche permanente. Et nous qui pensons, qui me rendons quand, moi, 13 ans, nous sommes arrivés à cap à 200 000 visites par an. Nous qui pensons que ça va rester à cap à 210 000. Et bien nous, pour nous qui sommes en 2019, nous sommes arrivés à 394 000 visites, quasi 400 000 visites. Donc, 173 000 uniques. La différence, qui s'explique parce que Google qui sépare donc ce qu'il considère comme une visite. Donc, c'est le qui te dit d'abord ce téléphonette à la 13 copes sur site, 13 visites. Mais comme il y a votre téléphonette qui reconnaît que votre téléphonette, qui est une visite unique. Donc, la chiffre qui retient, à mon point de vue, c'est qu'il y a quand même 173 000 utilisateurs, selon Google, du site du Congrès. C'est un chiffre qui est pris de précaution, parce que l'Interrus, qui s'appelle le BPN, qui est une technologie qui permet de d'escouner la votre adresse IP à Internet. Et avec le monde qui se connecte, les familles par exemple, les personnes qui se connectent dans le même ordinateur, bon, qui sont cas de modèle. Ce qui est intéressant, à mon point de vue, c'est qu'il débat de la dynamique et le volume global. Donc, qui continue de crescer, c'est quelque chose qui est intéressant. Autre chiffre qui est intéressant, c'est que la part des terminaux mobiles, hein, donc le terme technologique, tu as parlé, celui de 12 téléphonettes, des smartphones, et de la tablettes, bon, qui sont chic de causes, mais bon, qui sont partie de la même terminologie, donc 45%. Donc, ça représente de la mitad de la fréquentation, et qui est important de savoir, et pour moi, qui vous disent que nous avons, quand nous savons, par exemple, quel chiffre, qui est de 38 en 2017, qui est de 30 en 2016. Donc, il y a une crèche, tu sais, une crèche importante. Que ben qu'avem de pensar nosaltres del nostre desenvolupament, deixar desenvolupaments que siguin utilitzades sus telefonets. La persona que s'apel site responsiu, donc qui s'adapten a l'écran et que cau qui funcione sus telefonets, sinó que hem perdut la meitat de la freqüentació. Lo taux d'arribum, bon, après que tècnic, mais lo taux d'arribum que il a quand tu recherches dans un moteur de recherche, qui cliques sur une ligame, ah, nous, ne m'intéresse pas, il n'est pas à quoi qui cherchais, qui est un repère, à quoi qui est un reboom, qui est 30%, d'inca 50% qui est un taux correct. La durée de meilleure des visites, qui est de 8 minutes, qui est la durée de qualité d'uso, le monde qui trouve ce qui m'estu, en tout cas. Bon, qui est des messages à quoi tu as double crash du. De l'utilisation des terminaux mobiles. Avant, qui eram de cap à 10 minutes, mais verstat que dans les téléphonettes, l'utilisation qui est meilleure rapide et qui passe meilleure rapidement à quelqu'un de meilleur, donc, bon, qui est basse. Et après, donc, tasso de l'origine géographique, bon, qui est purement, bon, n'est pas surpris, hein, que la région de Titanio. 40% de la fréquentation. Et après, Navarre, Aquitanie et Tabé, l'île de France. Et l'île de France qui a une crèche herrenette à quelques années. Donc, je dirais que la communauté occitanophone de Paris et l'île de France qui ont découvert le site et alors, bon, qui m'a mis. Et Tabé, Rosé Aups et Paca, d'un 9% de la fréquentation, qui peut expliquer Tabé, et qu'en parlera ma presse, que n'hi ha pas autant de ressources del Provençal com de l'Auvergnat, per exemple, que del Lingüístic Gascú, si podem comparar, per un moment.
Le congrès també que son application taus téléphonets qui pouvez descargar qui son applications à gratis qui se trouvent sur les boutiques officielles d'Android et d'Apple. Donc un saut d'Android Google Play qui a l'Udicodoc, donc la version mobile de Udicodoc, donc qui est optimisée taus téléphonets l'Uberbox també. Et du clavier prédictifs. Ça va être qu'ils sont pour descarguer un clavier qui automatiquement vous per pause muts en utilita you qui m'agrade her per mou qui un clavier Anysoft keyboard ASK Anysoft keyboard per mou qui un clavier qui permet de gérer le multilinguisme qui pourrait m'bâcher que là d'une langue à l'autre per mou qui a d'autres claviers qui per pause taver utilita mais qui mescat au français ou à autre langue si vous l'êtes. Et donc, la prédiction n'est pas autant efficace, c'est pour nous qui va proposer une mot française ou une cita. En fait, bon, d'ab à une soft keyboard qui passe à culam, du français à une cita. Et tu as l'App Store, donc l'Udicodoc et l'Uberbox, qui a eu un problème de licence, tu as le clavier prédictif, mais qui sont causes qui pensent une dit ou l'autre. Tout tu améliorer pour moi qui avait utilisé tout ce qu'avait du congrès d'Apple. Quand même, hey, c'est que c'est un cas parce que le grand public ne veut pas souvent les API. Alors, API, en bon anglais, qui est Application Programming Interface, qui vous dit que le congrès qui a formaté les sources d'ADOS, les sources ressources, là, qui pousse que si vous voulez m'acheter qu'il apparaît la diapo. Qui puisque est utilisable, utilisados par une autre développeur. Donc, qui permettent l'accès à applications comme l'Espresso, Cutopoc, l'Uberbox, par exemple. Et donc, le développeur n'a pas qu'à en avoir le code de Kikao, demander au cloud et qui peut utiliser à distance les dates du congrès. L'API, tu as travaillé à l'idée que me laisse. Tout dit, quand utilisez Internet, par exemple, sur un site web, vous avez une map, par exemple. On se trouve, par exemple, Radio Languedoc, on se trouve Radio Languedoc, vous avez une map, mais avec une map, ou Google Maps, ou OpenStreetMaps, donc une service web, une API, qui est un module développé au site de Radio Languedoc, va descarguer et utiliser à distance, qui a une API. Et donc, nous avons, alors, qui peut pas vous et qui verra après, à la fin de mon intervention, l'intérêt de l'API est interconnecté, interlié, les ressources et les données. Alors, un coup, bon, qui est le bijou large du site et de la ressources MyS qui avons sur la plateforme, qu'on va parler à d'art de la. De les nouveautés du 2020 du congrès, de ceux qui avaient sorti et de ceux qui sont sortis. Et je dirais qu'il y a passé l'information qu'il y avait à donner un dictionnaire de la locutions, qui est un dictionnaire automatique qui restaurait à partir des dictionnaires existants où il y avait extrait toutes les locutions et expressions présentes. Merci à un travail de formatage qu'il pouvait détecter dans un dictionnaire ceux qui sont les expressions. Et à dire qu'il y a un dictionnaire qui permet de faire une recherche, si en français, si en occitan, d'avoir une formule, une forme. Voilà. Avoir, je ne sais pas, sont les expressions courantes, en français, ce qui pourrait rester l'équivalent en occitan, qui se trouve dans le dictionnaire de quelque chose. Être entre le marteau et l'enclume, avec vous dites entre deux spaces. Donc, tapez enclume, qui aura l'expression qui va sortir. Donc, un coup qui est intéressant pour nous, qui est un des objectifs du congrès, qui parle de tout à l'heure de l'augmentation du crèche des utilisateurs, donc qui est plat, d'augmenter la quantité des utilisateurs, mais notre objectif aussi, qui est d'augmenter la qualité de la ressource qui perpausons. Que le monde puisse améliorer, ou ce qui sont en cercle, en tout cas, améliorer la qualité de la langue, et qui est quoi qui est précieux. Et le numérique qui permet justement de pouvoir automatiquement créer à partir de ressources, d'autres ressources, d'autres outils,
t'as d'autoservices. Autre actualité qui va intéresser solide l'us de la Marpoc, qui est donc l'édition récente de la du dictionnaire de du Berboc provençal, qui est le conjugado normatif du Congrès en provençal, qui est un travail qui est en débat la direction scientifique de du regretat Bernat Mouly, qui malheureusement nous a déjà à Ougan et qui a mis à quelques travail minimus précis de Lungoma, qui est 12 ans de travail. Hein. D'après ce Marco, il y aura un lexicographe à partir d'un corpus de 7000 verbes et qui permet d'arrêter donc de conjuguer en provençal d'avoir certaines variations qui impliquent compte de la. De la du Rudanen et du maritime qui essaie de trouver qui est tout simplement compliqué de trouver normes et une certaine variation qui m'a dit pour le moment n'est pas habitué que retour mais le positif dans la quête conjugado qui se porte solide tout stem meilleur mais qui a d'ailleurs qu'il y a une ligne et qui est espérate et qui a été solide tabé au téléphonette puisque j'ai quand même actualisé l'application du téléphonette du Verboc. Tout ce temps au Verboc et eh ben acaba tout Verboc provençal avec Catacam qu'abiam le Verboc Limousin à quoi qui est un partenariat tap lieo de Dordogne au Belune donc ça y est à Bastille à cette conjugado tau limousi pareil hein, donc nous avons qu'une partie des heures des ressources qui abem tau gascou et langue d'ocia et à dar au congrès qui commence à s'allarger à toute la variété qui voulons tracter tout l'espace de cita et à dar donc qui tractons l'ou limousi qui est un travail ne pouvons pas dire des dates n'a de date des dissous par contre un travail qui est long qui est long, permet que Caubasti puisse mettre un corpus un corpus, un lexique de verbes, en définitive, qui a créé les modèles, qui a pu une centaine de modèles, ou modèles et sous-modèles, interliguer le corpus aux modèles, et après développer l'application, donc qui prend temps, mais bon, qui arrivera, et je pense que sera plus utilisé. Quand même, il y a une ligne tabé, un corpus tal du Congrès, le corpus tal, donc tal, traitement automatique de las lenguas, et qui a dit tout le travail qui aime et qui présentera plus tard d'assaut de développement de las technologies comme reconnaissance bucao, synthèse bucao, traduction automatique. Tadakoha qui bastime un corpus formatat, bête, et qui est à dar en disposition du public, donc qui est consultable, qui peut être sous site, qui a l'adresse, et pour les cercas, un contexte où tu as un contexte, tu as le corpus textual, et tu as le corpus oral, pour nous, qui avons le corpus oral de la synthèse bucao gascuno, qui a dit l'équivalent de 6 heures d'enregistrement. Donc, ils peuvent trouver le mot dans le contexte et entendre la phrase, le mot de Hens. Donc, à coup, il y a une plateforme qui sera petit à petit augmentée en fonction de la ressource qui traite. D'ablacantoulament est prouviste, en fait, après la décision de mettre en place le confinement. Le congrès qui a sorti jocs pédagogiques justement pour nous qui avait Riens, le monde de l'éducation qui est un cercle d'utilistes et ludiques, t'as pour des tribaliats, t'as pour des utiliser la langue et toujours merci au tribal tal qui aime quand même sorti une plateforme de jocs pédagogiques t'as pu l'équivalent d'un pendu, le joc du penut, la humotus donc aisinos ludicos pla presados kaboom retours excellence du public dans laquelle la plateforme qui sera petit à petit tabé allargado d'autosutis
Encore. Donc, ce qui sont les dernières éditions et que vous parlez d'art de Linguatech. Linguatech qui est un projet bête, un programme important, où nous congrès est associé, un programme européen, financé pour FEDER. D'app, je ne vais pas dire toute la liste, mais des gens qui ont trouvé donc, le laboratoire Cléo RSS de l'Université de Toulouse, l'Académie Basque, le gouvernement aragonais, l'Université du Pays Basque, qui est un programme de 13 ans, qui a développé les technologies du langage, qui a trois langues pyrénéennes, donc l'aragonais, le basque et l'occitan. Et concrètement, à l'occitan, qui s'y parle de, donc, d'analyse morphosyntaxique, donc à coquille. Une technologie et une ressource qui permettent d'améliorer, entre autres, la traduction automatique. Donc, au cap de quel programme qui avait sorti une traduction automatique, qui est parlée après, et aussi la synthèse vocale en occitan. Les outils finaux, donc, qui seront normalement mis en ligne début 2021, qui sera une plateforme d'accès grand public à d'autres technologies, donc la traduction automatique et la synthèse vocale. Et tu avais applications innovantes, des barres de traduction automatique ou des sites web, par exemple, de Firefox ou Chrome, qui pourra descarguer une barre qui pourra arriver automatiquement en occitan, de français décapant l'occitan, par exemple, tout site web qui pourra visiter en regardant la même page, et au carré d'air moderne et tout ce qui est à l'art, hein, qui est l'état de l'art. Donc, tu as la traduction automatique. Concrètement, que s'y parle en fait d'une plateforme qui s'appelle Apertium. Apertium qui est un outil libre, hein, qui a maintenu cette technologie en traduction automatique. Aquesta qui est une technologie dite par système de règles, qui a même causé pour nous que la technologie supérieure, Mayhout, qui est la technologie per système neuronal, qui est une intelligence artificielle. Mais là, il y a une traduction en intelligence artificielle qui cause her de dados qui n'avaient pas. Donc, qui avait lui su d'utiliser un système meilleur ancien, mais efficace tout de suite, per système de règles. Donc, un système libre, hein, Apertium, développé par l'Université de Valencia, en Espagne. Il y a déjà une version en occitan, hein, d'Apertium, notamment l'aranès, qui est la Générale de Catalogne qui avait travaillé à une traduction entre le catalan et l'aranès. Et il y avait une version entre le français et la langue russe. Nous avons ce que nous voulons, que déjà une traduction entre de qualité entre le français et l'occitan, et l'occitan et le français, c'est deux variétés, il y a dit le gascon et la langue russe. En utilisant les ressources du Congrès qui a dit 12 dictionnaires. Donc, normalement, cada état a un bon traducteur automatique. Alors, la sua faiblesse est bien, que la traduction automatique ne remplace pas jamais la traduction humaine, mais ce qui peut après sera d'un bon niveau de traduction automatique. A quel traducteur, donc, normalement, en ligne 2021, donc, avoir la forme de quai, donc, par une plateforme de services web, où si pourra copier et pégater texte, et traduire automatiquement. Tu avais API, qui parlait tout à l'heure de quel système qui permet à développer et à déconnecter à distance, et qui passe demain, et qui pensait, que Wikipédia, par exemple, tu as lu ce qui travaille sur Wikipédia, a un traducteur automatique, qui pourra traduire automatiquement l'article en français en occitan, dans le back-office de Wikipédia, par exemple. Qui pourrait penser à cause d'aquelles. Et tu avais qui pensait à services web, comme traduction automatique de documents, Word, PDF, comme ça. Quand on parle des traductions automatiques, qui est une parenthèse d'une longuette, mais qui est ça, pour moi, qui est un travail qui ne se met pas trop au Congrès, pour moi, peut-être que le public qui va avoir des traductions automatiques, qui pense qu'il y a un logiciel, qui paramètre un logiciel, et bon, qui acaba. Tu as pu paramétrer un logiciel qui a des dados, et qui a des dados formatados. Et à quoi qui le travail mai poudre basti l'usutis en technologie os de langage et tala tasu qui pertoque le mine du texte
le langage qui s'appelle le TEI, Text Encoded Information, qui est en fait une on va pas trop entrer dans le détail, mais qui peut être tout une par autre, tu as expliqué le thème qui passe par la Cora, qui sont mes et tribaille, qui est une sous-langage XML, pour ceux qui connaissent l'informatique, et qui sont normes de balisage dans les dictionnaires. Qui disent qu'il y a quand même normes balisages qui permettent d'harmoniser un dictionnaire. Par exemple, 12 dictionnaires qui sont par nature hétérogénéaux. C'est peut-être un dictionnaire de Laos ou de Pernouste qui peut être qui n'a pas la médice structure, n'a pas la médice taxonomie, enfin qui est différente. Là, la théorie qui permet d'harmoniser tout à l'heure. Et le Congrès qui a bâti donc une norme dans les dictionnaires occitans, dans vos partenaires, comme le CIRDOC, l'Université de Nice, ou l'Université de Toulouse, à masse qui a même regardé les normes de qui a tabalisé un dictionnaire occitan. Et d'ailleurs, cause la TEI, qui sont balises, qui ne modifient pas cap le texte original, qui garde le texte original, le dictionnaire. Donc, la TEI qui permet donc d'harmoniser les dates d'aquest dictionnaire qui sont hétérogénéaux, qui arrivent, qui permet d'avoir les cambios de dates entre les partenaires, tu peux regarder les outils, les autos, les dates qui sont layerées par les machines, qui ce qui n'est pas le cas avec le dictionnaire Way. Et tabelles qui permettent de créer rapidement ressources. Tout ce qui fait enseigner les dernières sorties du Congrès, le jeu pédagogique, le dictionnaire des allocutions, les expressions, les taquero, qui sont aussi une réaliste pour nous dans ce travail de formatage de TEI en amont. Qui pourrait passer à une diapo pour nous qui va être un exemple d'escantil, enfin, qu'un escantil de TEI, c'est la poulet m'enseigner. La seconde. Non, c'est pour taper la seconde. Si, à plat. Si, qu'avait une escantille à partir du entrada, ainsi, aiguille, non féminin. Aiguille à tricoter, aiguille des basses. Bon. La machine, ce qui est à gauche, la machine qui est trois camps, trois colonnes, qui est trois colonnes, et si vous pouvez tourner, déjà la diapo, une minute, trois colonnes, et dans cada colonne, il y a une cadena de caractères. A, c'est guide de I, c'est guide de G, c'est guide de U, c'est guide de I. Bon. Le formatage de TI, comme vous voyez, qui va dire aiguille, qui est l'entrée en français de tout dictionnaire. NF qui correspond, qui est une catégorie grammaticale, qui est un nom féminin. Par exemple, il y a un dictionnaire qui est NF. Dans un autre dictionnaire qui sera F. Un autre dictionnaire F. Donc, qui permet d'harmoniser. Et après, aiguille, qui est la traduction en occitan. Et après, quand même, une expression en français, aiguille à tricoter, qui se dit en occitan. Une autre expression, aiguille de base. Attends. Donc, il y a qui bat une date structurée. Qui se peut dans là utiliser dans d'autres machines et d'autres outils. À quoi qui est un travail, pour penser, longas. Quand pensons qu'il y a 150 000 entrées dans le Dicodoc, mais petit à petit, nous sommes développés, qui s'y est, et qui avance, et replat, et qui permet de sortir d'avoir des ressources. Qui va parler à l'art de la synthèse bucao, nous citons tous les dans le cas de Linguatec. La synthèse bucao, qui est la technologie qui permet à la machine de transformer le texte en bus. Donc, tu parlais comme un auto automatique. Nous avons quand même l'ambition d'avoir deux synthèses bucao, une synthèse bucao en gascou et une synthèse bucao en angolucien. La synthèse bucao en gascou qui est créée, qui existe, qui est encore en versu test. Pensez que la marque POC qui récupère le ligam sur Facebook, on peut cliquer et tester ce qui est. Donc, il y a un domaine joli qui avait fait des enregistrements, quand même des cas à 7 heures d'enregistrement, ça me semble, en gascou, 6 ou 7 heures, dans le français. Si, quand même, prise en compte, c'est une cause importante, quand même, prise en compte la synthèse bucao occitane, le français. Par exemple, tu as un usage en espace public
Ça y passe, par exemple, le tram de Montpellier. Quand on balaye, ça y passe, il y a un cours Pasteur à Montpellier. Mais Pasteur prononce à l'occitane, qui est le cas aussi de politique, qui se portera ou passe. Mais à Cops, qui est le cas souple et qui est le cas que la machine ne puisse reconnaître quand c'est le cas prononcé par les Français. Qui a eu, parier, avant, un grand travail d'harmonisation et de normalisation de la phonologie des noms étrangers. George Washington, Angela Merkel, qui ne prononce pas. Donc, question seguit par la coopère linguiste spécialisée, et donc, que ça a eu de Nicolas Skin de Lacan et Philippe Boula de Mareuil du CNRS, qui s'en seguit à tout à quel tribal. La version langue russienne de la synthèse Bukao, qui est enregistrée, qui est Clemens Allet, journaliste de France 13, qui a travaillé à son bout, et qui, pour le moment, a tout le travail d'alignement par la bus, le texte, et le texte en AFI, Alphabet Phonétique International. Par le travail long, c'est quasi de cap à 11 heures d'enregistrement. Par la synthèse Bukao langue russe, qui sera en ligne, par début 2021, sur une plateforme grand public, on pourra copier et pégater texte dans la bouche, et taper API, donc per pausa services à entreprises qui voudront automatiquement arriver et qui seraient des plats au cap de lingua tech de pouvoir avoir une utilisation concrète en espace public parce qu'il passe un partenariat d'abus sociétat de régulation, enfin, de gestion des transports publics, du bilan ou de l'agglomération. Ensuite, la synthèse de Bukao, qui avait créé le Phonetizaire. Le phonétisaire qu'il utilise, donc qui permet de transformer le texte occitan en graphique classique en alphabet phonétique international. Donc, parier UAPI, donc le monde qui se peut connecter à distance, et l'outil qui fonctionne à 16 variétés de l'occitan, et qui est un développement, donc quand même une version gascon en gourussien plus sûre. Tal les autres qui encore en développement, donc n'hésitez pas à faire retour sur le site, il y a une indication de 10 CBDs qui y a eu le cas qui sont pas trop cohérentes. Merci de faire retour, c'est améliorer à quête phonétisée. Qui voulait dire que la mienne intervention sur la bien et du dicodoc. L'Udicodoc, enfin, qu'est-ce que ça vise que le monde qui utilise le site du Congrès, deux causes. Puis mec, ça vise que le monde qui utilise le site du Congrès, qui utilise mec et mec l'Udicodoc. Perché per un U che il mondo che va in causa simple, che voglio risponso, donc è entrato che vuole la risponso, punto. E dus la snapper technologie Way che è a coup. Le monde qui a une recherche, qui a un moteur de recherche, qui a utilisé souvent Google, et qui a tout, la photo, la vidéo, le shopping, enfin, qui a tout. Et les dates du congrès, Bertat Key, Way, qui sont de las barres claros, entre les dates lexicographiques, dicodoc, mais aussi les dates terminologiques, comme le thermoc, qui sont tout intéressantes, c'est un monde qui a un mot précis, c'est-à-dire. Accès handicapé, t'as dit des choses spécifiques, mais le monde n'a pas tous une idée de la cerca au Verboc, à Outermoc, par rapport à la toponymie, qui va me chercher un nom de ville, des villes meilleures au Dicodoc, que dans l'Outupoc, où il y a toute la forme normalisée de cette toponymie. Donc l'idée, mais t'as au Dicodoc, du spunzer au Dicodoc, mais je ne sais pas ce qui sera, mais qui sera, en tout cas, c'est un nouvel version du Dicodoc, qui est de créer une multi-application d'abus sous la recherche. Donc, il y a qu'à partir de recherche, comme une recherche, un moto de recherche Way, le public aura accès à toutes les données structurées du Congrès. Je ne sais pas si vous pouvez passer la diapo sur la fonctionnalité de laquelle multi-application. Nous avance. Voilà.
Bon, aquesta. Attends. Donc, d'abord, l'application qui va amasser, réunir toutes les applications actuelles du Congrès et la ressource d'abord, ça vient. D'abord, une ergonomie, une fonctionnalité, ce que j'ai tout à l'heure. Et un bisou global, et sur la page, un bisou global de tout ce qu'il y avait. Une traduction, une expression, une citation, une prononciation, une flexus, tous synonymes, toutes les variétés, et t'as bêta aux rimes. Permo que, merci d'avoir été qui pouvait me pausa l'us rimes, permo que n'y a qui sont en cercle et t'as bêta de quelle ressource. T'as la cura, qui est une tribaille longue, qui n'est pas dit, les ressources de créa, qui avaient déjà formaté tous les dictionnaires, toutes les ressources qu'il y avait, et qui plaît avançat, qui avaient créé un dictionnaire de synonymes, un dictionnaire de las rimes, un dictionnaire de variétés, un corpus monolingues et parallèles, donc le mot technique dit que sont un corpus de textes en occitan ou, quand c'est pot, occitan français ou occitan autolingue. Donc, il veut dire que un travail, qu'il y a un travail de, qu'il y a déjà un corpus de 5 millions de mots, mais qui peut allarguer à d'autres variétés et à d'autres mines littéraires. Au moment que c'est ou journalistique ou c'est littéraire. Tau langue russa et tau gascou. Donc, avec l'ambition d'aller mais loin. Un partenariat de Bateloc, qui est la base textuelle de l'Université de Toulouse. Mais qui a besoin d'un corpus, bête traducita, et d'un dictionnaire d'expressus qui avait. Tassou du fonctionnement du site, tassou qui connaissent Reverso, site comme Reverso, Lingué, ou Exilogos, pas Exilogos, non, meilleur Reverso et Lingué, qui sont sites où on a eu le cercle de Hens, qui était sorti l'expression, ou le mot en contexte, d'ap la traduction en français ou en anglais, d'ap la traduction en contexte dans la phrase dans l'autre langue, qui sont, qui vont de cas par cas. Et justement, t'avais, merci au formatage de TUI, cas de mot qu'il y aura dans la définition, par exemple, ou dans la traduction, qui se pourra cliquer, que pourra tourner, carga la page. Qui a quoi, le dictionnaire numérique, ça t'avoue qui fonctionne en attente. Qui permettra à de transcrire la graphie. Merci à TEI, qui a dit qu'il pouvait connecter les dictionnaires contemporains au trésor du Filibril, au palais, etc. En gardant solide la graphie de nos autos, du campus, mais qui pouvait connecter, qui pouvait à quel mot qui correspond à ta entrée dans le TDF. Qui se permet. Qui pouvait avoir un API externe, donc parier, qui pouvait utiliser par un API externe. C'est-à-dire qui pouvait enrichir le contenu du Wikidoc, d'app Wikipédia, par exemple, OSM, Duma Occitanique, ou d'autres ressources qui pouvaient agréger au contenu, ensuite à la recherche de calcul. Donc la multiplication qui aura deux parts, UAPI, la mantueuse API, et une interface commune de collecte et d'impression de restitution de la recherche. Donc, c'est un petit schéma pour t'enseigner technologiquement de KPK et BAM. Si vous voulez passer à la diapo, toute la série d'applications, Zikodoc, Thermoc, Expressoc. Attends. Donc, à mettre l'usite du web du Congrès, qui est questa, qui a une base de dados, MySQL, qui est le format, hein, et Dicodoc à la sua base, Thermoc à la sua base, Expressoc, etc., etc. Si vous voulez me garder la diapo. Non. Qui a eu un requisto SQL, ou la technologie dans le PHP qui a eu un requisto, et donc il y a une interface web, via le CMS Joomla, le Dicodoc à la sua interface propre, le Thermoc a la sua interface propre. À quoi qu'est le système Way de le Congrès Pinol. Et qui passe de quelle technologie à. Donc, je pourrais passer à celui-là. Passer à l'autre diapo.
ACO. Donc, l'udicologue, thermoc, expressoc ne sont pas mes bases de dades qui sont API, donc consultables à distance, mais qu'il y aura d'autres API, Wikipédia par exemple, Occitanica, Tabé, les autres API qui seront créées plus tard et qui seront intégrées en une multi-application à partir de cette recherche. Alors, ce que j'ai voulu enseigner, pour moi, c'est un prototype. Ce que je vais enseigner, c'est que là, un prototype n'est pas la version définitive de l'outil final, mais qui va tester les fonctionnalités, l'organisation, tout à l'heure. Et malgré que j'ai voulu être en direct, mais ne se passe pas, mais c'est quand même copié d'écran, que j'espère que sera plus l'aider. Si vous voulez passer à l'autre diapositive, et je trouve que c'est bien l'architecture de cette navette d'Udicologue. Donc, l'Udicologue navette qui aura à gauche sur un formulaire de recherche, des propositions de résultats indexés, au centre la forme sélectionnée et les sous-informations, la correspondance de l'outil de ressources actives, que vous comprendrez mieux après ce qui vous dit, et après, un résumé abracat de toutes les autres ressources. Et il y a un bisou large, complet, de tout ce qu'il y a dedans. Si vous pouvez passer à l'autre diapo, qui va entrer dans le détail. Donc, ici, quand même, une recherche, je ne sais pas si je pousse les bas. Quand même, une recherche, le terme marche. M-A-R-C-H-A. L'udicologue qui propose, qui trouve Mantua Scouse, qui trouve un outil, la marche, non féminine, mais qui trouve tabé. La marcia, la région historica, al nord di Musi, che trova tabè marcio in una città che è la congiugazione autorizzata o persona di singular du verbo marcia, ma che trova tabè in francese marcia, che è la terza persona du preterit, il marcia. Bon. Donc, il seleziona hoc marcia, che seleziona ciò che cercam, donc marcio, la marcia in una città, e lo chiama qui, la marcia. Les variations, les synonymes qui seront intégrés, les marchés. Donc, il se pourra cliquer à B, caminado, entrado, grano, qui seront hyper ligames qui seront cliquées. Les flexions et la définition. Pour nous, comme des dictionnaires, qui est une partie du dictionnaire monolingue, la définition en occitan des marchés. Et ici, donc, une autre partie qui vedem que une plus visualisation de las autres ressources qui pouvons trouver, donc traduction, fonctionnement, frontières, marche, expressions, trouvados, citations, dictionnaires historiques et rimes. A quoi qui n'a pas ce but, n'a même pas qu'à cliquer à cada cop sur BDMail, ta tourne la carga la pagina et oublie mail à qui la ressource qui pouvons consulter. Si pouvons passer à l'autre diapo. Aquí, donc, qui passe donc les passe la qui passe en traduction, donc la marche qui vedem la traduction dans nos dictionnaires du Congrès, donc le Pernoust, l'oreille bête bête, qui avait la traduction. Aquí, les expressions. Marche, en français ou en occitan, tout à l'esprit sous. À cada cop que quelqu'un clique, qui tourne le carga, à l'esprit sous. La citation littéraris, d'après la rune, on se peut trouver.
les cogigasus, et qui pourraient baisser chacune d'une variété à l'autre. C'est la meilleure page. Et je ne sais pas s'il y a bien quoi le diapo. Si. Ah si, dictionnaire historique. Donc Marchion, que connectam, Mercedes au TUI, que connectam, autre de Philibrige, et au Palais. Et qu'il y a encore eu, a priori. Et las rimos. Donc, à cada cop, je n'ai pas compris qu'il y a ressources, mais ce qui veut qu'il y a d'autres ressources qui m'intéressent, clac, qui clique, qui tourne carga la page et qui est au centre, la ressource de Kikao. Attends. Et après, ici, il faudra t'avoir connecté d'autres modules, comme dit tout à l'heure, Wikipédia, Titanic, Cause Mail, qui pourrait l'âme ourner petit à petit. Je ne sais pas s'il y en a une autre, mais je pense qu'il y a toutes. Traductus. Si, ah, à quoi qui pourrait me dire tabé quand l'orthographie n'est pas correcte. Donc, il pourrait me dire au monde qui a appliqué marche d'AWS, par exemple, qui pensait qu'il voulait dire marche d'AWS, donc qui préconisait une autre orthographie. Et merci. Eh bien, plan mestes, benazet, un pouli toutis, et courant va sortir d'accord pour nous autres. Pas en quoi, donc. Pas en quoi. Non, non. Dis une tente, certes. Vous savez, qu'il y a, il y a eu une distribution Linux, qui s'appelle Debian, qui est la distribution maillée, et Debian qui dit la question. Quand est la version Benento qui dit when it's ready? When it's ready? Elle est non, 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 qui parle est longue. Non, t'as dit la à quel tribal que le projet est très important et qu'avait déposé un dossier auprès de la région, du cadre de la négociation du contact des panes stade région. T'as dit que pensam que à quel que l'investissement est structurant qui pensons important et qui serait des plats de financer de Maquero pour nous qui est long autant au niveau technologique qu'au niveau de ce que dit tout à l'heure de collecte et de traitement de las ressources donc qui parlons d'annaros qui sortira au mandat mais au moins c'est un verso braco qui sortira au mandat mais je pense que l'ambition qui a bien que l'ambition vous voulez un bisou, c'est un outil. Ah, qu'il y a bien besoin. Continuez à faire un outil demain, après, en cas d'indanados et des siècles et des siècles. Amen. Aïe, bon, pour qui passe. Mais il y a bien des questions. Alors, il y a aussi un accoutumage du congrès, fait d'un an déjà, du métier des journalistes, en mettant bien en tant qu'autour. Donc, c'est une cité des références hyper yéo, surtout le Dicodoc. Et alors, je ne voulais pas faire ma vieille réac, mais il y a une peau d'une nouvelle structure du site qui semble mandat trop d'informations. Per une recherche d'une mot, parce qu'il y a aussi l'efficacité, et justement, mais le congrès, il y a la rapidité. Cerque une mot, qui il y a les intrades, il y a quelqu'un de simple. De quoi il y a, le comparazum, et mais le trésor de Félibridge, et pour ça, après, c'est pègue ben à mon par la roue d'un aime, pour rester sûr, c'est pour une standard et tout à quoi. Mais. À quelle vision là, qui dans la diapositive, à comme paraît une peau compliquée pour déstructurer une peau tout le travail qu'ils ont déjà fait parce que le congrès me semble prou ergonomie
de même par Yahoo qui est accostumé, mais il y a pas de me perdre et une pas dit tout à coup trop d'informations par sous la main une traduction qui sert qui et mais c'est comprenez le camin à main, hein, la motivation. Est-ce qu'il y a déjà eu des retours de savez pas d'utilisateurs bêta avez-vous fait de Kaukaren une enquête objective sur l'accord, sur l'utilisation? Comment ça m'ouille première cause. À quoi qui le développement qui n'aime pas que passe d'avoir d'autres interfaces simplifiées. Mm-hmm. Et pas exclusif. Donc, quand même, pensé tout le faisou, qui justement, que savons qu'il y a un monde qui, comme tu, ou d'autres qui sont pas adaisés, par exemple, à coup, pense qu'il mais je pense qu'une digital native, qui va dire un bon outil, une digital native à coup, je passe à cul là, d'une peine à l'autre, qui va faire vista. Donc, pensons que d'autres personnes ne seront pas autant adaisées. Donc, il y aura une version du Kodok old school, classique, qui démoulera. T'as été rassuré. Tout tu penses que cau arriba fin penses si arriba ma unibe ou des qualités qui voulait à me penses que sera indispensable que non te podras tornar au dicoroc quand vas cerca et cauras que tauras tout las expressions que cada d'une doute c'est simple que il faut vérifier que si dans le dictionnaire historique penses que sera compliqué de tornar au dicoroc que il a tau un peu mais dire que m'engagne ta à tout utilisation. Mais en tout cas, qui te rassure, qu'il y aura une version simplifiée du Kodok, la version pure mère qui démourra, et qui aura quand même prévu, mais c'est à partir de la place Vingul, un échange d'un panel d'utilisateurs, d'abbés qui fonctionnent, qui l'utilisent. À quoi, par exemple, un prototype, tu as testé un usage, tu as commencé à penser à la cause et les données. Bon, d'imprimer os, quoi. Parce que, bon, il y a aussi des longues sur l'outil Kodok ou sur le Verbok ou sur tout à quoi. L'outil Kodok du nom d'un doc en français, des français en doc, des tout. Bon. Et tout à coup, mais frappant ça complètement. Franchement, parce que, justement, il y a toujours deux ou trois applications du Bertas. Per passer de l'une à l'autre. Donc, je ne suis pas d'une nouvelle genre. Il y a d'abord des poudres avec justement le passage entre les applications. Un pantalon, c'est un peu un moment. Donc, franchement, et vas-y pas à côté de maintenir nos langues. Donc, est-ce que c'est poudres avec à côté per la langue nostra, surtout que ce qui il peut veiller un peu, est-ce que quand on parle de l'occitan et quand on dit il y a des mondes d'en avoir et les aïsines qui viennent, le monde est espantat. Franchement, le monde est espantat de veiller que, ah mais, oh, mais l'occitan est vieux et est moderne. Il y a des causes qui sont franchement aisées d'utiliser, qui est tout d'accord, et à côté d'une image de la notre langue. Et ben donc qui ose commercer plat et continuer ce plat parce que il y a avait pas qu'une fenêtre du verre per toute mes farios des verres. Non, parce que t'as l'image, par exemple, que nous avons parlé, nous avons vu quand il y a en ligne l'application de smartphone, le Dicodoc, dans la boutique Android et Apple. À quoi la série d'actions du monde. On est dans la boutique Android et Apple. A vous, si Mireille t'avait dit ce cas, en disant l'application qui est sur le site du Congrès, qui avait à descargar, qui s'aurait pu être tout parier, mais sur boutique Android, Apple. Donc, qui est plat, peut-être qui cambie l'image,
Et en Amélouin, l'Occita, fin final, n'est pas tant, enfin, qu'il y a une langue bon, qui pâtisse d'une durée tard, mais n'est pas tant, quand on peut avoir une comparée dans les autres langues de France, qui est plein située, qu'il y a une autre linguistique en cuir, qu'il y a une pagère intéressante, qu'il y a une production d'escriut et d'orau importante. Après, ce qui est un endio, le congrès qui peut avoir un bon travail, dels meus qui hi ha, més que hi ha responsabilitat també de la comunitat. El desenvolupament numèric que depèn, en fet, de tot el món que pot participar a la producció de numèric en participant a Wikipedia, en enregistrant, en fent que hi ha tot el món que pot i que deu participar al desenvolupament numèric occità. Hi ha responsabilitat col·lectiva. Alors effectivement, même per fortin un testimoniage des mailles, mais souvenir il y a 15 ans, que quelqu'un m'avait baillé une version numérisée des dictionnaires d'Alibert, per faciliter la recherche. Alors on faisait un recherché, Talmud, et puis il apparaît ici, il nous semblait fantastique. Et alors, qui avait une notice vertadier romain force espantant à qui? Et donc, une fois où l'on relaye des Laurence Revest, qui est saludant, qui nous séguise d'un peu quelques jours, et qui me demande une question, me dit per les œuvres à venir, per l'Occitan Vivaro Alpenc. Il y a un manuel d'Occitan Vivaro Alpenc de Gérard Ligosa qui vient de sortir, qui est une cercaire à la CNRS en intelligence artificielle et linguistique. Et apparemment, il y a un tracé dans le développement technique de l'Occitan pour le futur. Donc, il y a des traductions automatiques au tabé, il semble. Il y a un connaissance pas. Que le numérique, que la, savez ce qu'il a qui... La lampe à huile de l'Ibaba, vous savez. Qui arrivait à une cause d'Akeras. Par exemple, tu as un traducteur automatique qui m'a été contacté par un linguiste, informaticien linguiste catalan qui s'est marié avec un russe installé en Tatarstan, au camp de la Volga, et qui s'est mis un courrier qui disait Hector Alos, qui salue ses bêtes, qui dit que c'est qui travaille sur le traducteur automatique occita, yo qui commence à travailler déjà sur la Pertium et qui est à votre disposition, tu as tout à l'aide, et qui calcule qui s'est fait reparler notre travail, qui se conseille de la Volga Estan, et qui s'aide. Et Bertat, qui est le monsieur Ligouzad, qui est aussi le conseil linguistique du Congrès, alors Bertat, qui est grand, qui est très grand, ne va pas tout le monde au COP. Et mais justement, tu as répondu à Laurence Revest qui a enviat un courrier à M. Ligouzat, 13 ans, justement, tu as essayé d'ensayer de. Per pausar, de s'associer à notre travail de traduction automatique, pour moi qui ai découvert toutes les compétences en intelligence artificielle et en traduction automatique. Et Bertat, qui a un réclame de sa méthode d'apprentissage du site Bivaro Openc. Donc, non, mais qui plaque et continue à découvrir des compétences et des personnes de ressources à table. Allez, juste une chose qui m'agraderait. Il y a quand on pique une moutre et qu'il manque un accent, manque une kikoumette. Il y a pas cap des résultats. Ah. Et mais semble que à l'Urodar il y a eu moulon de gens et pas il se fait accoutumé à piquer juste comme au cal. Mais à l'Urodar c'est VIB qui en général nous accent. Et quand on mettez pas l'accent juste comme au cal, il y a pas de résultats qui apparaissent. Et mais semble que serio une bonne cause d'avoir une tolérance orthographique per donner une possibilité à le monde qui écrit au maileo et qui écrit ouais en faisant des decks pitchounes de pouvoir avoir des réponses. Qui sont causes qui se pourraient améliorer a priori au niveau du traitement. Grosse, Mercedes.
per ne clavar aquest moment de conferència és força instructiu, prometo, també. Anem a fer una petita pauseta per se tornar a trapar després amb una taula redonda sus, evidentment, la temàtica del numèric, que és pas acabat. Se trapa per 5 euros, vos vaco? Lo tenen tornar a fer una pitjota prangera, un penequè, per 5 euros. Continuas de nous segre e a tot ara. Mercès. Mercès. Venez de Segre en direct view la programación de las conferencias e taules redondes de la 44ª Universitat Occitana d'Estiu. Podes tornar a atrapar aquells registraments sur las pagines Facebook de la Marpoc, Radio Languedoc et le CIRDOC. Et peut-être sur radiolanguedoc.com.